Israël est suspendu aux nouvelles du dernier de ses pères fondateurs encore en vie. Hospitalisé mardi à la suite d'un accident vasculaire cérébral majeur, Chimon Père, 93 ans, a connu une certaine amélioration de son état de santé, mais reste critique, a confié son médecin ce mercredi. « Monsieur Père a passé la nuit sans autre incident », avait dit dans la matinée devant la presse le professeur Isaac Kress. Directeur de l'hôpital Tel Hashomer, où le neuvième président israélien a été admis à Ramagan, tout près de Tel Aviv. Nous allons le déplacer en soins intensifs de neurochirurgie, où il continuera à être examiné par une équipe pluridisciplinaire, a-t-il ajouté. Les médias devant l'hôpital toute la nuit les praticiens ont conservé le silence sur le pronostic, alors que les médias ont passé la nuit devant l'hôpital. Le médecin personnel de monsieur, Père avait rapporté un mince signe d'encouragement. Lorsque nous avons brièvement interrompu l'administration des sédatifs, il a réagi et a apparemment suivi ce que nous lui disions, a dit Rafi Valden. Les chances de survie sont plutôt bonnes. A voulu rassurer celui qui est aussi le gendre de Monsieur Père. La prochaine fois que nous essaierons de suspendre les sédatifs, j'espère que nous pourrons établir le contact avec lui, a-t-il ajouté. En janvier dernier, il avait déjà connu deux alertes sérieuses et s'était vu poser un cathéter. Les proches de l'ancien président sont rassemblés à l'hôpital et sur Facebook, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a assuré que tout le peuple espère la guérison de Shimon Père. Pour son rôle dans la fondation d'Israël et son prix Nobel de la paix commun Après les accords d'Oslo, avec Isaac Rabin Ancien Premier ministre israélien assassiné en 1995, et Yasser Arafat, ancien président palestinien mort en 2004, Shimon Père est considéré comme un sage de la nation. Ministre au sein de nombreux gouvernements. Le travailliste a assumé à plusieurs reprises la fonction de Premier ministre, puis celle de président de l'État d'Israël de 2007 à 2014. À 92 ans, Chimon-Père est resté particulièrement actif à travers son centre Père pour la paix, qui promeut la coexistence entre Juifs et Arabes. Quelques heures avant son accident cérébral, Chimon-Père a posté sur son compte Facebook une vidéo, dans laquelle il appelle à acheter Israélien, pour être patriote. L'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient Nicolas Mladeno, a publié un message sur Twitter, pour lui adresser ses pensées et ses prières. Je reste optimiste mais. Nous vivons des heures difficiles, a déclaré son fils, chemi-père, devant l'hôpital. Nous allons apparemment être appelés à prendre des décisions difficiles par la suite, a-t-il poursuivi sans préciser son propos. Regardez d'autres vidéos sur site, ou